La RTB et Télécel vous offrent le Samandé. On peut s'asseoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de divertissement sur la RTB, le groupe Média Leader. C'est tous les samedis et rediffusé les mardis pour vous. Le trône, le rétroviseur, la balade du micro, le radar sont les différents compartiments donc, de cette émission, le Samandé. Notre mission, l'unique mission, c'est vous servir. Mamour et Rassoir ne me diront pas le contraire, ils arrivent. Et puis, le public qui nous accompagne, c'est un grain. Mais c'est le grain plus, hein, si je ne m'abuse. Et vous savez, la définition et donc, du grain, c'est un groupe informel de jeunes qui se réunissent quotidiennement, généralement donc, autour du thé, pour des rencontres, des échanges, pour la distraction. Mais ce grain-là, il faut le rappeler, il est virtuel. Et on en parlera dans cette émission. Applaudissements pour vous. Burkin Mila, comment tu vas? Nasseré. Oui. Kobedi. Coquin. Coquin. Ifedo. Et Ibipangachoua. Ouais, Mkofe Kalta. Voilà, bon, donc applaudissements pour eux. Alors, on peut commencer? On peut aller. Que ça commence. Sur le trône cette semaine, une âme jeune et pleine d'ambition. Ne dit-on pas que aux âmes bien nées, le succès n'attend point le nombre d'années. Eh bien, c'est le cas de ce garçon qui poussa son premier cri en terre ivoirienne. Il rentre au Bercail en 2008. Les difficultés quotidiennes l'obligent à se jeter à l'aventure. Il s'adonne à diverses activités telles que l'orpaillage, la restauration, la mécanique auto et bien d'autres petits boulots. En écoutant des artistes comme Iba One, Blaze, Yélène Face au Combat, il se prend donc de passion pour le hip-hop. Convaincu et déterminé, il revient au pays faisant de nombreuses rencontres avec d'autres rappeurs de sa génération. Son vécu quotidien est une source d'inspiration pour ses premières compositions. En 2018, il pose magistralement deux titres sur la compile 109. Propulsion, production de Saint-Rémy et la structure qui va véritablement l'accompagner, qui l'accompagne toujours dans la construction donc de sa carrière. Hier, vendredi, était la sortie officielle de son premier album, Maoland. Je vous demande d'accueillir Kayaoto. C'est la phase de Tiche, quoi. Merci. Champion, yeah. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Ton nom à l'état civil, c'est bien Abdoul Kabore. Yeah. Alors, comment tu te sens depuis hier? Car c'était la sortie officielle donc, de ton premier opus, hein, Maoland. C'est yeah. Ça, Maoland. Bon, il y a 14 titres. Il y a 14 titres. Il y a Clim ici, mais actuellement, je me sens entre la sueur, même si. Nasser. Kayaoto, yeah. Intimement Abdoul Kabore. Yeah. Abdoul Kabore, le petit mécanicien. Abdoul Kabore, l'orpailleur. Yeah. Abdoul Kabore, le serveur dans le restaurant. Yeah. Aujourd'hui, Kayaoto, yeah. Comment tu te sens de bon, passer en tout cas, de cette étape de ta vie à être sous les projecteurs? Je peux dire tout simplement waouh, parce que le travail, travaillons seulement. C'est très important. Je peux dire Dieu merci aujourd'hui. Vous voyez, l'album est sorti hier et bon, il y avait presque tout le monde, tous les artistes étaient là, voilà.
vous étiez là, vous avez vu comment c'était. Donc, ouais. En tout cas, je peux dire Dieu merci, le soutien est là. Le Coro, en tout cas, soutient le mouvement et puis voilà, et les journalistes, tout ça. Donc, je peux dire Dieu merci. Aujourd'hui, où je suis là actuellement, en tout cas, je peux dire, si c'est possible pour moi, c'est possible pour les autres, en fait. Alhamdoulilah. Mamou. La canne de vie, ni il est bête. Ouais, à singer ni et t'avignon, c'est ton noir, yen noir de l'é. Ta bébé, pas un gars. Tu vas aller voir la canne de vie. Sing un petit one, un yambo, son one singing, un yampaye, le ninga, never n'a sac à tout. Yampaye, bilifou. Voilà, tout m'a où you were, vous ne vous indi. La city là, a panga y de vous ne vous. Bon, yassida. Rabem, ni la mti rabem pa be. Bon, yé na waka fa o mo rapo yé na mti rabem kay be ni gengé. Bon, parce que avant ti ra kan rabi yi nda tarason wa yam yé la tabenyo se wa dré bon. Donc quand même bon né en fait. Donc still fa be na bon quoi. Ça wa m dans mala ra kan rabi ga même so jo tabenyo sa ni ya be ba bi wa dré. Bon, ti la mti rabem voilà kay auto ya auto ya auto. Donc voilà, il y a un album qui est là, son la mafan est autour, donc Kaleb Tabe. Rabi MKB, quand tu es né garçon, Rabi MKB. J'aimerais justement m'attabler un peu sur cette chanson, Rakan okay. Biga, qui t'a véritablement révélée. Ça n'a pas été facile, on le sait. Ouais, à la sortie de la chanson, ouais. Ça a fait beaucoup de polémiques, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ouais. À la limite, même, tu as frôlé la censure à certains niveaux. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, est-ce que tu je ne sais pas, il n'y a pas de regret. Est-ce que si c'était à refaire, tu allais le refaire? Et comment tu te sens? Bon, je peux dire, vous voyez, déjà, quand tu te dis artiste, bon, tu as ta vision, en fait. Toi, avec ton staff, tout ça, vous tracez voilà, le chemin que vous devrez voilà, emprunter. Voilà, donc, je peux dire, même si c'était à refaire, bon, c'est la même chose, en fait. Parce que voilà, c'est comme je disais à Maurice tout à l'heure, voilà, chaque style, chaque son a son style, en fait. Mm-hmm. Bon, l'explication est venue à Kan Rabiga. Bon, vous voyez, quand on dit à Kan Rabiga, c'est quelqu'un qui est dans le feu, qui vit sa vie, la belle vie, en fait. On ne pouvait pas tourner les clips avec bon, des jouets de ballon, ben, des jouets de cartes, tout ça. Vous voyez, ça va avec le bling-bling. Donc, ouais. J'aimerais aussi qu'après toutes ces polémiques, que de façon simple, que tu puisses nous donner le message. Parce que c'est vrai que derrière cette image qui a été montrée, c'était forcément un véritable message que tu as tenu à passer, toi qui as du vécu. Est-ce que tu peux résumer ce message, enfin, pour les téléspectateurs? Oui, bon, vous voyez l'histoire aussi, c'est quand dire à Kan Rabiga, beaucoup pensent que voilà, j'ai fait le truc juste pour amener les enfants à être bons, à ne pas travailler. Bon, c'est pas ça, c'est le contraire, en fait. Vous voyez, moi, j'ai vécu des moments très difficiles, en fait, dans ma vie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un son, vous voyez, le pays comme le Burkina Faso, où déjà même la galère, vous voyez comment ça va, ça frappe partout. Voilà, pourquoi pas faire rêver notre jeunesse, en fait. Voilà, j'ai fait Tabignon, j'ai fait Wardré. Pourquoi rester dans toujours, bon, chanter la galère pour toujours les mettre dans le tout. Voilà, il faut les faire rêver aussi, il faut tout les dire, c'est possible. Tu fais un clip où tu vis comme en Amérique, comme ça, tu les dis, bon, eux aussi vont se dire, voilà, si toi tu es Burkinabé, tu vis comme ça au Burkina Faso, c'est que pour moi aussi c'est possible, je peux le faire. Le but, c'est ça, en fait. Yeah. Alors Rakara biga. Yeah. Donc foi Rakara biga. La mam patala biga de. Ah, yam ya Rakara baba. Rakara baba. OK. On va te passer le micro, hein. Yeah. Tu vas nous faire une première prestation. OK. Et c'est Rakara biga justement qu'on va suivre. Alors, okay. Quand tout est bon, on engage. La fine fleur de la musique burkinabé, en tout cas, c'est un porte-flambeau de notre musique. Un avenir certain se dessine pour lui. Merci. Sur la scène musicale. Félicitations. Tu as Merci. Aussi donc, le trophée de l'artiste ayant effectué donc, plus de tournées nationales au cours donc, de l'année 2020. Quelle fut ta satisfaction? Bon, je peux dire Dieu merci. Bon, et déjà, si, bon, tu commences déjà. Puis il y a le trophée déjà, tu sais que voilà, le futur, ça promet. Ça promet. Voilà, donc je suis tellement fier.
je suis tellement fier en fait. Les Mahorlandais, que, voilà, mes fans aussi. Oui, on va parler tellement... de Mahorland parce que c'est inévitable. Hein. Ouais, bien et sûr. Comme je le disais en début d'émission, ouais. L'album est sorti hier. Ouais. C'était une véritable effervescence. Yeah. C'était bouillonnant. C'était... Yeah. En tout cas, il y avait de la joie. Yeah. Il y avait de la vie, tout simplement. Yeah. On va revenir avec toi, mais okay. On va peut-être, si tu permets, yeah. Suivre donc la deuxième rubrique de okay. Cette émission. Okay. C'est tout de suite et maintenant. Le radar vous permet de vous échapper, de vous évader, de savoir où aller pour le week-end. Pas forcément le week-end. En tout cas, les festivals, la célébration, les foires, les challenges sont les grandes articulations de cette semaine, Nasser. Oui, les grandes articulations de cette semaine qui nous amènent dans la belle cité de Sia, à Bobo-Dioulasso, où pour la première fois, un festival invite l'ensemble des mélomanes à venir découvrir les diversités culturelles de notre terroir. C'est Tradi Foire, c'est-à-dire c'est une foire qui met l'accent sur la diversité culturelle, je le disais. C'est du 28, ça a déjà commencé et ça finit le 20, c'est du 23 pardon, et ça finit le 28 au Jardin Caboret. Donc on invite l'ensemble de la belle population de Bobo à sortir. Il y aura de la musique, il y aura de la gastro et voilà, pour passer de bons moments en famille et entre amis. Toujours à Bobo-Dioulasso, cette belle ville qui s'apprête à fêter pour la 9e fois consécutive au Théâtre de l'Amitié le 8 mars, dénommé Mousso Okassou. C'est la célébration qui met en avant depuis 9 ans maintenant la femme, on va dire, et les artistes que les femmes plébiscitent, que les femmes adorent seront de la partie. Vous avez l'affiche, il y a Amity Meria, il y a Magene Fitini, il y a Djeli Karim, Prince d'Ossama, Salizet et plein d'autres artistes qui vont sortir. Donc on peut dire sans se tromper que le 8 mars ça sera très très chaud du côté de Bobo-Dioulasso. Toujours dans la même mythique salle du Théâtre de l'Amitié à Bobo-Dioulasso, mais une autre date, c'est le 20 mars à partir de 20h. Voici un jeune qui a été élevé au-dessus des artistes burkinabés, des artistes bobolais en 2019. C'était à la cérémonie de récompense Bobo Lolo. Il s'agit de l'artiste Robo le Messi qui attaque le Théâtre de l'Amitié le 20 mars à partir de 20h. C'est un grand tournant pour sa carrière. Donc on invite l'ensemble de la population à sortir pour donner de la force à ce jeune artiste. Toujours à Bobo-Dioulasso, mais autre activité, c'est un peu le concours, je vais dire Mister University Bobo-Dioulasso, le concours des Mister University, un concours qui est axé sur un peu le charisme de la jeunesse, un peu une façon de susciter la confiance en soi au niveau de la gente masculine. Donc c'est parti pour les inscriptions à partir du 1er mars. J'allais dire, et jusqu'à 2 semaines, jusqu'au 14 mars 2021. Et les conditions, c'est tout simple. Il faut avoir, il faut avoir la taille de 18 ans et puis l'âge de 1m65. On se comprend. Donc 1m65 minimum pour comme taille et 18 ans pour pouvoir participer à ce concours. Et nous venons maintenant à Ouagadougou, du côté de Zogona pour la 4e édition qui fête la musique autour du thème culture, genre et développement. Donc c'est le Femouzo Zogona en fait, et c'est du 5 au 8 mars. Vous êtes tous invités cordialement. Dernier festival pour ce radar, c'est le Festival Jeunesse de Ouaga. Promotion de l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse burkinabé. C'est le thème choisi pour la première édition de ce festival qui met en avant la jeunesse qui se bat, la jeunesse qui entreprend, la jeunesse qui fait changer les choses. Et c'est une initiative à saluer parce qu'il faut savoir que pour ce festival, il y a eu au départ 200 candidats qui se sont retrouvés à 29, qui compétissent pour une somme de 300 000 francs et des accompagnements divers en termes de communication pour leur jeune entreprise. Également, il y aura des artistes, c'est Hugo Boss, Audrey, Black Savage, Vince et plein d'autres artistes qui seront de la partie. Donc, on invite toute la population à sortir, à faire le déplacement. C'est du côté de Canal Olympia. Et pour terminer, amis téléspectateurs, voici un truc que les artistes s'amusent à faire désormais, c'est les challenges vidéo. Nous avons vu juste la semaine dernière le titre de Hamzy qui est sorti, clip de très belle facture, c'est Pasek D. Et l'artiste offre comme ça 50 000 francs à toute personne qui pourra peut-être faire une vidéo sur cette chanson avec de très belles chorégraphies. Donc le top est donné.
C'est parti, envoyez vos vidéos à l'artiste et puis voilà, qui sait, vous pouvez avoir des images avec l'artiste, un moment à partager avec l'artiste et puis aussi la somme de 50 000 francs. Ouais, c'est bien dit. C'est tout pour le radar d'aujourd'hui. Oui. D'accord. Ben, c'est également l'occasion pour nous de rappeler que Télécel reste et demeure donc, le réseau qui soutient la culture au Burkina Faso. C'est le réseau donc, de proximité, en effet. Et Télécel travaille nuit et jour pour se rapprocher davantage de ses abonnés, de sa clientèle, grâce à Télécel Proximity, dont on a parlé donc, la semaine dernière. Point besoin donc, de vous déplacer jusqu'au siège. Et dans vos quartiers, juste à côté donc, de vos maisons, vous avez des points donc, de vente. Vous pouvez donc vous procurer vos différentes puces à 250 francs, qui vous donnent droit à 250 francs donc, de bonus, mais avec d'autres avantages. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler donc, dans les émissions à venir. Télécel donc, reste et demeure le réseau de référence. Et c'est justement l'occasion pour nous donc, de faire une tape fraternelle au directeur donc, de la stratégie et de la communication, quelqu'un pour qui nous avons beaucoup de respect et nous espérons donc, l'avoir un de ces jours sur ce plateau et pour également pouvoir bénéficier des t-shirts, des casquettes, des recharges pour nos téléspectateurs, car c'est très important. Alors, on revient avec notre cher ami Kaya Woto, l'invité sur le trône. Et Nasser, une question. J'allais dire deux. Ah ouais. Ouais. On y va. Je pense que il y a quelques minutes, Kaya Woto nous parlait du fait d'être sous le feu des projecteurs. Ça veut dire que ça augure en fait un devenir meilleur. Cela va forcément passer par du travail. Ouais, ouais. Et moi, j'aimerais savoir, au-delà des prestations, c'est quoi une journée de travail chez Kaya Woto? Bon, maintenant, je peux dire, à part les prestations, bon, des fois, peut-être, parce que le temps, bon, je reste à la maison toute la journée, parce que je ne peux pas rester au moins deux jours à Ouaga, on sort beaucoup. Ouais. Voilà, donc, je peux dire, c'est le concert ou rien. Voilà, le peu de temps que j'ai, c'est juste me reposer et puis voilà, continuer encore les concerts. C'est d'accord. Ça. Mais en fait, ce que je veux savoir, c'est que avant le concert, il y a eu des chansons. Ouais. Maintenant, comment tu arrives à. C'est quoi ton environnement de création, d'inspiration? Comment tu fais? Comment tu pars de la plume? Est-ce que tu écris tes chansons? Est-ce que tu. C'est quoi le secret? Bon, je peux dire le secret, c'est le travail. Le travail seulement, en fait. Parce que moi aussi, je peux dire ma puissance, la force aussi, c'est que j'écoute beaucoup la musique traditionnelle, en fait. Mm-hmm. Voilà, Zugna Zarna, Bibo Sawadro, Kisto Kwebre. Wow. Voilà, c'est à partir de là-bas que voilà, l'inspiration vient, en fait. Voilà, je suis un rappeur, voilà, mais je peux dire que c'est là-bas que tout vient, en fait. Voilà, lorsque tu écoutes la musique traditionnelle, bon, tu peux avoir beaucoup de mots que tu voilà, pourrais utiliser dans tes chansons et tout ça. Mais moi aussi, la manière que j'écris aussi, j'écris pas en même temps, en fait. C'est avec le téléphone. J'ai fait audio pour enregistrer. Voilà, peut-être je peux aller dans un kiosque comme ça, voir les gens en train de causer. Bon, c'est là-bas que je prends tout, en fait. Mm-hmm. Là, parce que j'ai le ghetto, que voilà, je croise les Marlandais des fois. Et on échange ensemble, voilà, et puis voilà. Je copie un peu quoi, ce qu'ils disent là-bas. Alors, ils parlent des Marlandais, donc oui. C'est ceux-là qui viennent du Marland. Et vous avez bien précisé la semaine dernière, Nasser, et vous avez dit que c'était une terre imaginaire où il est le chef. Et moi, j'ai la coiffure. C'est voilà, vrai. Je veux qu'on fasse un gros plan sur ça. C'est la coiffure du chef marlandais, c'est ça? Voilà. Et j'ai été obligé de dire à Saint-Rémy, j'ai dit, mais quel est son rôle au niveau donc, de cette terre marlandaise? Il m'a dit, non, qu'il était le féticheur. Donc, il veillait au grain. Voilà. Oui. Alors, c'est vrai, j'aimerais quand même qu'on ait le point de vue, sinon l'explication claire de l'artiste là-dessus. Ouais. C'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois à cette émission, Sibonet, on s'est dit, disait que Maoland, c'est le pays imaginaire dans lequel Kaya Woto est est l'empereur. Yeah. Est-ce que c'est cela? Ou bien explique-nous de façon oui, à ta oui, manière. Oui, bien sûr, bien sûr. La Maoland, on dit, bon, moi aussi j'ai créé mon pays sur les réseaux sociaux. Voilà, les Maolandais sont mes fans, en fait. Je suis leur président parce que je me suis dit pourquoi pas créer un empire, en fait. Ouais. Donner un nom. Et donner même une ville, la ville, bon, je peux dire, c'est sur Facebook ou les réseaux sociaux que la ville. Voilà, pour comprendre aussi. Et puis, les Marlandais aussi,
comprendre la langue. On a une autre langue spéciale aussi qui... Ah bon? Oui. Bon, voilà. On va apprendre la French line. Oui, là où j'ai dit, ouais, moi, breton, yung, c'est un room, c'est un petit peu de kip, ça. Vous voyez, voilà. Ça tombe, on voit room, si, qui, voilà. C'est les French line, en fait. Oui. Avec ça, j'arrive à communiquer avec voilà, les Maolandais. Voilà pourquoi j'ai plus de... D'accord. Des Maolandais qui frappent à la porte tous les jours. Bon. Yeah. 2018. Ouais. Nous sommes en 2021. Yeah. Donc, vous êtes lancé en 2018. Ouais. En 2020, vous avez le trophée de l'artiste le plus joué, yeah. Bon, puisque vous avez eu le plus de tournées. Ouais. Et en 2021, le vendredi dernier, ouais. vous faites sortir l'album ouais. Maoland. Yeah. Comment est-ce que vous arrivez à gérer le stress lié à votre succès? Parce que c'est parti trop vite. Oui, oui, oui. Comment vous gérez ça? Bon, je peux dire déjà, Dieu m'a donné deux choses en même temps. Je peux dire trois même, ou quatre comme ça. En même temps, voilà. Si tu as ça, en même temps, je suis sûr que tu vas avancer. Dieu m'a donné une très, très, très bonne équipe, en fait, staff, qui bosse dur, qui sont déterminés. Ouais. Et puis aussi, Dieu aussi m'a donné aussi la chance, le talent, et puis l'humilité, le respect et tout ça. Voilà. La patience. Voilà, la patience et tout ça. Mm-hmm. Je peux dire, quand, bon, j'ai su que j'avais ça déjà, j'étais sûr qu'un jour, je vais cartonner, en fait. Je cherchais un producteur et j'ai eu le producteur. Donc le succès, moi, je savais que ça allait venir. Tu vois, dans tes débuts, tu t'es inspiré beaucoup ouais. des artistes comme Yélène, yeah. Comme Blaze, comme yeah. Ibawan, comme Face au Combat. Oui, mais en dehors de ces artistes-là, peut-être à l'international, plus du côté de l'Occident, ouais. quels sont les artistes qui t'ont beaucoup marqué? Bon, surtout dans le côté hip-hop, ouais, tout ça, ouais, voilà. Ouais. Côté de la France, c'était La Fouine. Ouais. C'était mon rappeur préféré en fait. C'est vrai que j'écoutais ouais. Soprano, Booba, tout ça, mais La Fouine, en tout cas, j'aime les rappeurs qui parlent toujours de la maman en fait, qui ouais. respectent la maman, tout ça. Ouais, ben, c'est l'occasion. C'est l'occasion justement pour nous de rappeler que très tôt, tu as été séparé. Yeah. Tu as été confronté à une situation yeah. dont on n'en parle pas. Dans tous les cas, on va peut-être revenir là-dessus, yeah. à tête reposée. Kayawoto, ouais. ça veut dire ici, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Voilà, l'origine là ouais. de ce nom. De ce nom. Ouais. Le nom même j'ai pris ça, c'est mon grand-père. Mmh. Mon grand-père, c'était quelqu'un qui, voilà, qui aimait trop les étrangers, en fait. Au village, lorsque les gens viennent au village comme ça, c'est chez lui que beaucoup part se loger. Lorsqu'un étranger vient, il est capable de tuer un bœuf, tuer un mouton, tout ça, pour se lever et faire la fête. Voilà, donc, à chaque fois, ses frères et le village lui demandaient, ah, pourquoi c'est comme ça, et voilà. Nous, on est ici avec toi, tu ne tues rien, c'est quand l'étranger vient, tu dis, ici, Kayawoto. lui, c'est la joie. Ouais. Voilà, donc le nom représente la joie et tout. Voilà, moi, c'est le nom des grands-pères que j'ai pris comme nom. Génial, génial. Mamou, pendant qu'on y est, il ouais. est bon de rappeler que ce public-là, ce merveilleux public, ouais. qui va encore s'applaudir, c'est le grain plus. Le Grain Plus, comme je le disais en début d'émission, c'est un groupe donc, de jeunes qui se retrouvent en réalité, si on devait traduire littéralement ce que veut dire grain, c'est des jeunes qui se retrouvent quotidiennement pour échanger, pour parler donc, de leur vécu, de la journée, etc. etc. Mais la particularité ici, c'est que c'est un grain qui est virtuel. Alors, c'est l'occasion pour toi de t'entretenir avec eux et nous, on va suivre. D'accord. Donc moi, je suis déjà membre de ce grain. Mmh. On n'a pas forcément le temps, par exemple, de sortir, se faire des amis, papoter. Mais depuis sa maison, on peut tchatcher les uns avec les autres. Donc nous avons un représentant ici, il va nous parler du grain. Pourquoi le grain a été créé et quels sont les avantages liés à ce grain-là? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations là-dessus? Moi, c'est André Selenga. Le Grain Plus a été créé pour promouvoir la cohésion sociale, pour se rapprocher entre nous les jeunes. Et comment on fait pour devenir un membre? Pour devenir un membre du Grain Plus, il suffit de contacter l'un des administrateurs. Okay. Voilà. Merci. Vous êtes combien d'administrateurs? Vous êtes plusieurs alors? Cinq. Cinq. Alors, donc, moi aussi, je vais adhérer, hein, le plus simplement possible. Nasser, pas oui. toi? Ah oui, oui. Hein, d'accord. On va adhérer au grain. Ouais. Et puis, voilà. D'accord. Mesdames et messieurs, l'avant-dernière rubrique de cette émission du Samandé, c'est maintenant.
Nous étions à la patte d'oie la semaine dernière. Cette semaine, Mamour Bourkinbila est donc au quartier Saint-Léon de Ouagadougou. Mamour, nous te suivons. Nous allons donc au quartier Saint-Léon, c'est le secteur 2 de l'arrondissement de Bascuy. Et Bascuy, c'est l'arrondissement numéro 1. Je vais vous laisser déguster cette balade. On est voilà comme ma poche, pour moi elle vaut de l'or. De ma ville, je suis love, mais je ne peux pas payer sa dot. Je connais voilà comme ma poche, pour moi elle vaut de l'or. De ma ville, je suis love, mais je ne peux pas payer sa dot. Taxi moto qui passe, brr brr, koyo koyo, étudiant qui passe. Ça va le road là. Ma mère, quel bureau ici? My name is Bado Azaya. Yule Denizi, ya Madame Koro, Kora Babenda. Là, c'est Babenda Show. Je m'appelle Tendel Biro Valentin. Mon nom, c'est Dipama Abbas. Moi, c'est Tapsoba Sidi. On salue, on tente pour rare et il y a un barca. On a un barbena. Pour la barque, so. Angela, désolé, Ajiga. Tania, elle est beaucoup sollicitée, hein, celle-là. Énormément. Ouais. Today, I make a special mention to all the English speakers who are watching us. Donc, nous allons commencer cette deuxième partie. Non, j'ai un peu de temps. Tu n'as pas nous traduit ça comme nous. C'est anglais, ouais. C'est anglais de. Toi-même, tu seras Kaoto. Elle n'a qu'à traduire ce qu'elle a dit là. Parce qu'on ne sait pas si tu as cité quelqu'un ici. Non, j'ai tenu à faire une mention spéciale à tous les anglophones qui nous suivent. Parce que dans cette deuxième partie, nous allons la démarrer avec un jeune talent. Ouais. C'est un jeune scolaire que j'ai rencontré par pur hasard, parce que je ne prépare jamais mes balades. Ouais. Et voilà, il nous rappe sur son texte personnel. Yeah. Let's follow. Pour mini gâti que c'est vite le oh ya du de malo 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 qui la on va jouer c'est ya ou ya ou hier c'est quoi depuis alors nous chillons t'as pas acheté ma mon casse là oh ya quelle alors bon y a quoi c'est on dit capata on dit fait ya ouri gabo ya bo ah hier c'est boy if you see this year this year you go see next year you go blow this year you go blow next year ne kosi kulo juwa o atike la kun la sokoto pempe c'est nika omi gari c'est water eja didi c'est fish oh my better they smell fine ah oh my hello guy. Everybody de para like a para parameter. It was very soon before lower you did your meter. I spent a pempe. The bag of the pempe. Malopa generator shine. C'est bon. La musique, je peux dire dans le travail, ça nous inspire à travailler au fait. Ça nous donne l'esprit de la créativité. Voilà, donc quand on travaille avec la musique, en fait, ça donne l'envie de travailler. Voilà, et ça inspire aussi à créer quoi. Bon. Je peux dire j'aime presque toutes les chansons, surtout côté Burkinabé, les artistes Burkinabé. Oh, j'adore cette chanson, Mamou. Là, tu viens de me faire plaisir. Tu me permets? Oh oui, mais vas-y. J'aimerais remercier une personne très charmante. Cette personne qui m'a offert la tenue que je porte, il s'agit de Doussa Salimata, journaliste ici à la RTB. Merci énormément. J'espère que la semaine prochaine, elle va penser aussi à moi. C'est ça. Toutes les semaines, c'est comme ça. Merci, Doussa. Hein, Initié. Et puis, dis-moi, Kayaoto, tu as suivi un peu la balade. Hein? Ah ouais. Hein? Comment tu as trouvé? Bon, très cool. En tout cas, je vois le petit rappeur en langue. En tout cas, j'ai kiffé. Ouais, tu vois, il a un penchant fort pour, pour le rap. Hein? Yeah. On va peut-être le retrouver et puis... Tu l'amener. C'est très important. Tu vas apprendre à tes côtés. Tu vas bénéficier de, hein, de certaines techniques. C'est ça même. Voilà. Alors, Nasser. Oui, Kayaoto.
on le sait, ça se sent, ça se voit. Ta musique est étroitement liée à tes origines. Tu chantes amoré et tu le fais très bien d'ailleurs. Aujourd'hui, on voit des artistes qui ont ce complexe de pouvoir s'exprimer dans leur langue. Et pourtant, il n'y a qu'en étant naturel qu'on arrive à faire la différence. Si tu avais un conseil à donner, ce serait lequel? Bon, déjà même, j'ai dit, voilà, parce que par jour, par semaine, je peux dire, des gens qui m'envoient des sons sur WhatsApp d'écouter, voilà, la plupart, c'est en français. Moi, je l'ai dit à tout le temps, en fait, le Moré, le Gyula, Fofolde, le Bissa, Gourmatié, bon, si tu rappes dans ta langue, je suis sûr que tu vas percer rapidement que le français. Parce que tu ne peux jamais, jamais, jamais faire mieux que les Français. Tu ne peux jamais faire mieux que Dadju, tu ne peux jamais faire mieux que Niska. Faut pas qu'on se trompe. Mais tu peux être original. Voilà, tu peux être original, langue. Mais tu peux pas parce que le Moré, le Gyula, le Fofolde, ta langue. Parce c'est que, pour nous. Voilà, c'est pour nous en fait. Ouais. Exemple, si Niska ou Dadju vient sur un plateau de télé pour un freestyle dans son français, moi je viens en Moré, je vais le descendre parce que je vais le faire en français et le faire en Moré. Ça, tu le feras doublement. Voilà, doublement. En français et en Moré. Mais lui, il ne peut pas faire pour moi. C'est je suis clair. Original. Ouais. Je les conseille. S'il veut cartonner, s'il veut avancer, les langues, c'est très important. Exemple, il n'y a pas de rappeurs qui font en Fofolde, ni en Bissa. Ouais. Imagine, les Bissa, ils veulent avoir les rappeurs aussi qui font en Bissa. Ouais, mais langues. Moi, je veux le faire en Bissa. Ouais, vous voyez, c'est, ça, ça fait avancer rapidement. Tu comprends? Non, mais merci pour l'idée. Hein. Yeah, c'est très c'est pour ça qu'on dit qu'on apprend toujours, même aux côtés des plus jeunes. C'est très important. Et puis, Mamou, une question pour... Moi, j'aimerais savoir, puisqu'il a commencé sa carrière avec un groupe, c'est ça? Un groupe, non. Non, non pas véritablement. D'accord, mais la compilation 109, est-ce qu'on peut... Il a posé sur une compile, en fait. Ouais. Voilà, 109. Et c'est, ça, c'est d'ailleurs cette compile produite par Production. Production. Voilà. De Est-ce qu'on peut en parler? Quelle est l'expérience que vous avez tirée de cette. Bon, l'expérience, je peux dire, vous voyez, moi déjà, j'étais dans mon ghetto déjà comme ça. J'attendais ça depuis longtemps, en fait. Voilà. Le talent était là, mais je n'avais pas le soutien. Voilà. Lorsque mon arrangeur m'a mis en contact avec mon producteur, parce qu'il voulait des artistes. 5 artistes dans la compile. Voilà, mais il avait eu 4 artistes déjà. C'est comme ce que je disais tout de suite, la langue c'est très important. Lui aussi il a dit qu'il voulait un artiste qui rappe en langue. Que ce soit en Gyula, en Fofolde, en Moré. Là, lorsqu'il est allé au studio, en tout cas, bon, mon arrangeur a dit « Ah, ça tombe bien, j'ai un rappeur qui s'appelle Kayo, aussi c'est en Moré, en tout cas il va tuer. » Bon, lorsque je lui ai envoyé mes sons, on est rentré en contact, je lui ai envoyé mon premier son à Beba, il a écouté et dit « Voilà, c'est ce que je voulais qu'elle a. » Donc, lorsqu'on est allé au studio, mon arrangeur a dit « Ok, on est 5 sur la compile. Il faut qu'on soit premier parmi ces rappeurs-là. Donc, il faut qu'on se donne à fond. » Et c'est là que tout est parti, en fait. Ta sœur ? Oui. Kaya Oto, on le sait, un artiste, c'est souvent des dates mémorables. J'ai deux questions et on va aller une à une. Aujourd'hui, c'est quelle scène qui t'a marqué au jour d'aujourd'hui? Bon, je peux dire, c'était, j'ai fait beaucoup de concerts, mais c'est chez Baba Village. Durant ce mois, bon, on vient de faire ça il n'y a pas longtemps, ça fait combien de mois comme ça. Bon, c'était la scène qui m'a beaucoup marqué parce que lorsque je suis monté, moi-même, restais un peu, j'allais couler par les larmes parce que vous voyez la lumière partout, tout le monde, c'est comme si tout le monde m'attendait parce que c'était la veille du truc quand j'ai pris le trophée. La veille, beaucoup m'attendaient, les Hollandais se sont mobilisés vers moi pour m'accueillir là-bas. Lorsque je suis monté sur scène, en tout cas, j'ai pas pu chanter parce que les gens répétaient jusqu'à la fin. Donc, c'est la scène qui m'a beaucoup. Ça, c'est la scène qui t'a beaucoup marqué. Et on le sait très bien, ça c'est à un festival. Mais un artiste, le plus souvent, c'est lorsqu'il arrive à remplir une salle à lui, lorsqu'il arrive à remplir un stade. Quand est-ce qu'on t'attend, le public t'attend, le ghetto t'attend, les Maolandais sont derrière toi. Quand est-ce que tu vas affronter une salle mythique du Burkina? J'avais déjà annoncé le stade municipal. Voilà, je dis après l'album, mon premier concert à Ouagadougou, c'est stade municipal en fait. Parce que moi, mon rêve, c'est de faire plus en fait, de faire plus. Plus que
tout en fait, parce que vous voyez, voilà, le Cénazar, tous les scènes, tous les salles, beaucoup ont déjà fait ça en fait. Moi je vois mon empire, c'est un grand empire. Ouais. Même si on ne remplit pas ça, je serai fier parce qu'ils seront présents. Mais je suis sûr que le stade va remplir. Voilà, l'objectif, bon, viser grand, c'est mieux. God bless. God bless. Mesdames, Messieurs, à présent, voici la dernière rubrique de cette émission. C'est tout de suite. C'est le rétro. Oui, pour ce mois de février, le rétro s'est consacré à mettre en relief les plus gros tubes d'amour. Et pour ce dernier numéro du mois, on peut penser aussi à un bonus. Bien sûr, une dernière pour la route. Ouais. En quelque sorte. Et pour cette dernière, nous allons assister à une très belle scène de ménage, comme on a l'habitude de le voir dans les couples. Hein. C'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et cette scène se déroule entre Yopougon, tantôt c'est à Yamoussoukro, et on serait tenté de se dire que c'est un artiste ivoirien. Et détrompez-vous, il ne s'agit pas d'un artiste ivoirien. C'est un artiste qui a mis à profit son séjour au bord de la lagune Ébrié pour écrire cette belle chanson d'anthologie qui est un peu une hymne à l'amour tourmenté. Et pour mieux comprendre son histoire, je vous invite à aller du côté de la rive sud du fleuve Congo et précisément à Kinshasa en 1945 où il est né de parents angolais. Une figure emblématique qui a su adapter ses origines au rythme de la rumba pour pouvoir donner une dimension internationale à sa musique dans les années 70 à 90. Du Grand Congo au Cameroun, en passant par la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, il a fait danser toute l'Afrique sur des chansons comme Waka Waka, Bana Cameroun, Susanna, Nakupenda, Belle-Mère, La Fête au Village et plein d'autres tubes comme ça qu'il a eu à donner à l'Afrique. Et en guise de retro ce soir, il nous offre le tube de ses tubes. Une chanson qui parle d'amour, mais pas comme on a l'habitude de voir. C'est pas l'amour à l'eau de rose, mais c'est un peu une parodie qui met en avant la jalousie dans le couple. C'est vrai que quand on aime, on est forcément jaloux, mais l'excès de la jalousie, ça devient quand même un poison pour la relation. Et c'est ce qui est bien décrit et décrié par l'artiste en mettant une belle parodie, une femme un peu trop aimante qui n'arrive même pas à cacher ses émotions lorsqu'elle se retrouve en compagnie de son monsieur et même en présence des invités. Mesdames et messieurs, cette femme, elle porte un nom, oui, mais cher monsieur, détrompez-vous, c'est pas parce qu'elle s'appelle Fatoumata qu'elle est forcément jalouse. Et je ne veux pas dire non plus que celles qui ne sont pas Fatoumata ne sont pas non plus jalouses. Quoi qu'il en soit, nous faisons un gros coucou à toutes les femmes qui nous suivent, à toutes les femmes amoureuses. C'est la session Rumba Rétro avec San Mangwana Fatoumata. Merci. Eh bien, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Yeah. Kaya Woto, le plaisir, il était immense. Merci. Et tu pourras revenir quand et comme tu voudras. Yeah. C'est ton premier album. Yeah. On va te souhaiter beaucoup de chance, beaucoup merci de bonheur beaucoup. Pour la traversée. Ce n'est pas toujours facile, yeah, mais on espère que ça va aller. Parce que, Dieu merci, tu as du talent, yeah, merci. Tu as du génie et c'est ce que nous souhaitons tous. Yeah. Eh bien, on va te laisser nous proposer en exclusivité. Bon, l'exclusivité, c'était hier. Yeah. Mais bon, en termes d'émission, c'est une exclusivité. Et la chanson, c'est Tantoumde. Quoi ça qui est beau, tu me dis que mal, moi, toi, tu me dis.
Merci. Merci infiniment. Et puis, il faut rappeler que c'est un modèle hein, pour la jeune génération. Et puis, il y a un style de danse là. Oui. Là, c'est vraiment c'est de votre génération, c'est de votre âge. Et puis, merci donc au Grain qui nous a accompagnés dans cette émission. Le Grain Plus, c'est ça. Et je rappelle que c'est un grain virtuel et auquel tout le monde peut adhérer. Merci à toi, Kaya Woto. Et comme je t'ai dit, oui, bien le sûr. Mot, okay. Voilà, vous voyez les sons qui viennent passer. Voilà, vous voyez le clip est tourné à Dubaï. Voilà, on a le teaser. Le clip est déjà fait. Ouais, le clip est. Oui, hier on a lancé. Ah oui, bon, à cette partie-là, je t'ai déjà sorti. Oui, hier on a lancé déjà le clip. Vous voyez, vous voyez, c'est tout est fait à Dubaï, en fait. On peut le retrouver sur les réseaux sociaux déjà. Les réseaux sociaux. Okay. Puis j'invite les Maolandais à aller voilà sur YouTube télécharger l'album. L'album est déjà disponible. Ouais. Puis j'ai dit merci à tous les artistes et les journalistes parce que tout le monde a partagé. Floby, Emilio, tout le monde, je ne peux pas tout citer. Tous les artistes ont partagé l'affiche. En tout cas, je l'ai dit, merci pour la solidarité. Et nous-mêmes, on a partagé l'affiche ici dans cette émission. C'est là où tu as un gros micro avec beaucoup de... Il y a les Maolandais. Les Maolandais derrière. L'Empire est là. L'Empire. Et puis, je tiens également à dire merci, infiniment merci à ton producteur, Saint-Rémy, un jeune frère à moi qui a beaucoup de respect et pour ses aînés et pour la musique, pour la culture. Il fait beaucoup. Et je pense qu'on aura l'occasion également d'échanger avec lui. Parce que dans son catalogue, il y a quand même un bon nombre d'artistes qui se profilent à l'horizon. Et merci Kaya Woto. Merci à vous. Et puis on se retrouve, si Dieu le veut, la semaine prochaine, amis téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Et que le Seigneur soit votre guide, qu'il vous couvre de toute sa grâce. Assalamu alaikum. Cette émission vous a été offerte par la RTB et... Télécel, offrir plus.